J'ai toujours rêvé de faire une carrière militaire. Je voulais, avant mon accident, rentrer au sein de la Légion étrangère. Malheureusement, à l'âge de 16 ans, j'étais victime d'un accident de la circulation. Je me suis retrouvé immobilisé pendant plus de 6 mois et hospitalisé. On a maintenu la jambe pendant près de 8 ans. Et au bout de 31 interventions chirurgicales lourdes, moi j'ai choisi la voie de l'amputation et je me suis amputé de mon membre inférieur, donc en dessous du genou. J'ai passé sur les 8 ans, presque 7 ans à marcher régulièrement avec les béquilles sans avoir d'appui sur mon pied. Donc à un moment donné, c'était plus viable et je ne pouvais pas me projeter pour plein de choses, donc le sport, le travail, la vie de famille, etc. Donc, j'ai mené un long combat avec plein d'interdits. J'ai voulu prouver au travers de ce que je faisais par le sport que j'étais capable de pouvoir faire comme tout le monde. C'était aussi une façon pour moi de faire une sorte de paix avec ce que j'aurais voulu être. Suite à une grave blessure, j'ai été obligé de réduire un petit peu la charge de travail, notamment la course à pied. Donc je me suis dit, autant aller faire un sport porté. Et j'ai suivi en fait les Jeux Paralympiques de Londres. J'ai trouvé ça hyper magique. J'ai suivi l'équipe d'Aviron Handisport. J'ai trouvé que c'était une très belle équipe et je me suis dit, pourquoi pas moi? J'ai une phrase magique, donc c'est de la difficulté que l'on trouve la force d'avancer. Pour moi, un sportif, quand il se lève le matin, il sait que ça va être difficile quand il va partir à l'entraînement. Maintenant, quand il ressort de l'entraînement, c'est la banane, il est content. Même s'il est fatigué, il a donné ce qu'il avait à donner. Le sport, c'est du pur bonheur. C'est toujours prendre plaisir. Si je prends plaisir dans ce que je fais, je sais pourquoi je me lève le matin. Je sais pourquoi je mets la prothèse. Et le sport, c'est l'envie de se dépasser pour être mieux dans sa tête.